بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم أعزائي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. بونجور أتوس، بونجور أتوت، بونجور أ توليفون دو لاشين. J'espère, comme d'habitude, que vous allez toujours très 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 bien. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année, enseignement fondamental. Il s'agit d'une épreuve de français. Aujourd'hui, on va faire une épreuve de français, un contrôle, si vous voulez. Bon, soyez attentifs et suivez-moi. Cours 6e année, enseignement primaire, épreuve de français. Épreuve de français, c'est un contrôle. Le texte, je reste à la maison, je ne veux pas sortir, hein? Je ne veux pas sortir, je reste à la maison, je ne veux pas sortir, car je suis malade. Car je suis malade. Mon visage est pâle, mon visage est pâle, il est maigre. Je tousse, je tousse, mon nez. Le nez coule et j'ai de la fièvre. Et j'ai de la fièvre. Maman a appelé le médecin. Oh non, docteur, viens, ma fille est malade. Maman a appelé le médecin, le docteur. Il m'a examiné. Hein? Il m'a examiné, il a fait un examen. Hein? Il m'a examiné, il a consulté hein, mon corps. Il m'a examiné, puis m'a fait une ordonnance, ça veut dire qu'il a écrit une ordonnance à moi pour acheter les médicaments à la pharmacie. Maman semble inquiète. Maman n'est pas contente, il est triste, il est inquiet. Pourquoi? Parce que moi, je suis malade. Il est toujours comme ça. Ça, il est toujours comme ça, ma mère, quand je suis malade. Quand je suis malade, toujours maman, elle est inquiète. Il n'est pas content, il est triste. Il ne veut pas me voir malade. Il veut me voir en bonne santé, en forme. Donc voilà le texte sur lequel on va poser des questions de compréhension. Alors je répète, je reste à la maison. Je ne veux pas sortir là où il y a une fourrure rouge, car je suis malade. C'est un écolier, c'est un élève. Hein? C'est un élève, c'est un écolier, c'est un enfant. Hein? Je suis malade. Mon visage est pâle. Oui, je guéris, je ris. Je tousse. Mon nez coule. Je guéris ici. Hein? Et j'ai de la fièvre. Maman a appelé le médecin. Il m'a examiné. Et puis, ma fille est ordonnance, il y a la casserie, maman semble inquiète. Maman, ça doit aller à la masse, elle veut. Elle est toujours comme ça, mais elle a d'ailleurs la casserie de ma sœur Annie-Marie. Elle a sœur Annie-Marie, c'est pour nous, Hazine. Elle ne veut pas me voir, elle va brûler, je vais me voir, comme en bonne santé. Donc voilà le texte. Donc je passe à notre tableau pour poser des questions de compréhension. Bien, alors passons maintenant à grand 1. Compréhension. Est-ce qu'il a bien le fait? Pourquoi veut-il rester à la maison? Pourquoi l'enfant, hein, bien l'auteur qui a écrit ce texte, pourquoi veut-il rester à la maison? La réponse, il veut rester à la maison parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Il ne veut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Il ne peut pas. Comment est son visage? Comment est le visage de l'enfant? Son visage est pâle. Il est maigre. Que fait son nez? Son nez coule. Qu'a fait le médecin? Qu'a fait le médecin en arrivant à la maison? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a examiné. Le médecin a fait une ordonnance.
Il a examiné le garçon, bien l'enfant, puis il a fait une ordonnance pour acheter les médicaments. Il a fait une ordonnance pour acheter des médicaments. On va écrire pour acheter des médicaments. Voilà ce que le docteur, après avoir examiné l'enfant, il a écrit une ordonnance pour acheter les médicaments à la pharmacie. Les médicaments à la pharmacie. Passons maintenant à grand 2, la grammaire. Hein, la grammaire, l'étude de l'enfant. Je mets au pluriel. Mets au pluriel, je mets au pluriel. Je reste à la maison, donc je reste. C'est la première personne du singulier. Je. Ce sont les pronoms personnels. Singulier ou pluriel. Je, tu, il. Les pronoms personnels singuliers, nous, vous, ils, les pronoms personnels pluriels. Alors que nous, c'est le pluriel de je, vous, c'est le pluriel de tu, il avec elle, c'est le pluriel de nous, c'est le pluriel de il. Sans ça. Alors nous avons je et le pluriel, c'est nous. Alors nous, reste, le verbe rester à la maison, c'est un verbe de premier groupe, la terminaison en RS. Nous restons, nous restons. Écrire le groupe nominal sujet en verbe. Ou bien d'une autre couleur. La princesse a 10 cheveux noirs. Voilà le verbe. Alors, à partir des verbes jusqu'à la fin, ça s'appelle groupe verbal, parce que le mot essentiel, c'est le verbe. Et à partir des mots qui se trouvent avant le verbe, ça s'appelle groupe nominal sujet. Donc, voilà le groupe nominal sujet. Il était très fier. Donc, voilà le verbe. Plus les mots, groupe verbal, donc voilà le groupe nominal sujet. C'est un pronom. Alors, ici, nous avons un pronom personnel, ici nous avons un nom plus indéterminé. C'est un nom plus indéterminé. Les fourmis craignent le hérisson. Alors voilà le verbe craignent, donc voilà le groupe de hérisson, c'est un nom. C'est un nom précédé d'indéterminé. Elle explore la campagne, donc voilà le groupe nominal. C'est un pronom personnel. Elle, le hérisson, voilà le groupe nominal. Donc le groupe nominal suffit. Qui, c'est le verbe. Hein, quitte, c'est le verbe, donc le groupe nominal sujet, c'est le hérisson, c'est le hérisson. Alors maintenant, on va passer à grand 3, la conjugaison. La conjugaison. Donc voilà, je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien. Alors, passons à la conjugaison numéro 1. Numéro 1. Je mets le pronom qui convient. Quand on dit le pronom, ça veut dire le pronom personnel sujet. Je, tu, il, nous, vous, il. Alors ici, nous avons fini. Fini, c'est un verbe de deuxième groupe, la terminaison IS. Alors IS, c'est la terminaison de je et la terminaison de tu. Donc je peux écrire tu ou bien je, c'est la même chose. Je finis IS, tu finis IS. Le travail avant les vacances. Cultive. Alors ici, nous avons cultive. La terminaison 1, c'est un verbe de premier groupe. Donc je peux écrire je, hein? Je peux écrire je et je peux écrire il ou bien elle. Je cultive, elle cultive. Donc la même terminaison. Première personne du singulier et la troisième personne du singulier. Fait. Alors fait, ici c'est un verbe de troisième groupe. La terminaison de t, donc j'écris elle ou bien elle. Nous avons il masculin, elle féminin. Terminaison AIT, bien T. Elle fait ses exercices pendant les vacances. Il cultive la terre. Bien. Deuxièmement, mets au pluriel ces phrases. Alors, mets au pluriel ces phrases. Donc, nous avons avant, nous avons tu. Alors, ces phrases-là, oui. La phrase A, tu finis. Alors, le pluriel, vous finissez. Vous finissez, c'est le pluriel de je finis. Tu finis. Si on a fait je, on va mettre nous finissons. Si on a écrit je, on va mettre le finissant. Si on a écrit tu, on va mettre vous finissez. Donc, la deuxième personne, je, ou bien il, nous cultivons. Alors, si on a mis il, on va mettre nous cultivons. Si on a mis je, on va dire nous cultivons. Si on a mis je, le pluriel c'est nous cultivons. Si on a mis il, on va mettre il cultive. Il cultive. La troisième personne, il cultive. IS,
la terminaison S, le pluriel c'est N. Nous avons L ou bien L, alors le pluriel c'est L avec S ou bien R avec S. Je vais faire ces fonds. Elles font. Elles font. Elles font. Elles font. Ici, attention. Elles font leur exercice. Elles font leur exercice pendant les vacances. Attention. C, ça devient leur au pluriel. Elles font leur exercice pendant les vacances. Donc voilà. Alors passons à l'orthographe. Je mets E ou bien ER. Il se prononce de la même façon. E. Mais l'écriture est différente. Il se prononce de la même façon, mais l'écriture est différente. Ça veut dire les homonymes. Alors le boucher, ça s'écrit avec un R. Le boucher vend de la viande. Déjà ça. La dictée avec le accent E. Himmler est facile, simple. Le thé, chêne, E accent, et sucré, hul. Donc, ils ont la même prononciation, mais l'écriture est différente. Et. Ce n'est pas le boucher, la dictée. Ce sont les phonèmes. Et se prononce de la même façon, mais l'écriture est différente. Vocabulaire. Je relis par flèche. Nous avons football, football, piano, fleur. On ajoute un ou bien if. Alors, football. Qu'est-ce qu'on dit? Footballeur, voilà. Footballeur. Piano. Alors, is, on ne dit pas piano. On dit pianiste. Piano. On efface A et on écrit pianiste. Voilà. Fleur. Alors, fleuriste. Voilà, fleuriste. Donc voilà, on a ajouté les suffixes. On a ajouté les suffixes er et is. Je passe au vocabulaire. Ah, c'est la même chose, c'est le vocabulaire. J'écris le préfixe qui convient. Il, im, un, im. Alors, limité, on a ajouté il, illimité, limité, règle 2. Buvable, imbuvable, nous devons B, on écrit un. Corrigible, incorrigible. Incorrigible. Légal et légal. Donc on a ajouté ici les préfixes. Les préfixes s'ajoutent avant le mot. Et les suffixes s'ajoutent en arrière, à la fin du mot. À la fin du mot, non pas en arrière. Les suffixes se trouvent à la fin du mot et les préfixes se trouvent devant le mot. Alors l'expression écrite, je mets en nom dans les phrases suivantes. Nous avons je m'habille le matin, et je prends, je me lève. Je me lave, mon petit déjeuner, de bonheur, puis je dirige, je meurs, etc. Alors, ici, on n'a pas de place pour terminer. Donc, je vais venir me répéter. La première, c'est le matin. Voilà, numéro 1. Le matin, qu'est-ce que je fais? Je me lève. 2. Je me lève quand? De bonheur. Je me lève de bonheur. Oui. 4. Je me lave. Quoi? Je me lave. 5. Je m'habille. Je m'habille. 5. 6. Je prends. Quoi? 7. Je prends. 6. Mon petit déjeuner. 7. Voilà 7. Puis 8. Je me 9. Dirige 10. Vers 19. L'école 10. 11. 12. 9. 10. 11. Et 12. Et voilà le texte. Alors maintenant, vous allez l'écrire vous-même sur les cahiers en ordre. En commençant par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 12. Pour trouver un texte cohérent qui a un sens, qui est ordonné.
Voilà le son de notre épreuve de français. J'espère que l'épreuve soit bien comprise, hein, et qu'elle permet de vous aider pendant les contrôles, pendant les exercices en classe. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.